Salut à tous, alors je vais vous emmener dans un magasin qui est l'équivalent de Dollarama ici en France, d'accord? Le nom de ce magasin c'est Action. On y va? La petite Twingo! Ça, cette voiture, c'est trop la France. On n'en a pas des comme ça au Canada. Petite Twingo. Donc voilà, le magasin, c'est Action. Donc je suis avec ma mère qui prépare son mariage. Donc on va voir, on va faire les derniers achats. Ah, pas les derniers, hein. À mon avis, on a encore quelques tours à faire chez Action. On a encore manque toujours quelque chose. Ouais, c'est clair, on a encore quelques tours à faire ici à Action. Donc, on y va, c'est parti. Alors, je vais vous montrer un petit peu du magasin comme ça. Pour ceux qui sont habitués avec Dollarama, vous allez voir ce qu'on peut trouver à Action en France. Donc, comme au Canada, il y a de la déco, c'est sûr que... Hein? Ah oui, c'est là. Donc déjà, le magasin est beaucoup plus beau que Dollarama, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater. On a de la déco, on a des fournitures scolaires, on a des trucs pour la téléphonie. Alors, petite particularité, enfin, pas une particularité, mais une différence entre Dollarama et Action, c'est qu'à Dollarama, les articles ne dépassent pas 4 euros avant taxe. Mais ici, ce n'est pas le cas en fait. Vous pouvez avoir des produits plus chers. Donc, c'est entre Dollarama et entre le Winners au Canada, enfin, des choses, des magasins du genre. Comme là, on a de la déco à 7,95 €. Il faut savoir qu'en France, la taxe est déjà incluse. D'accord? Il n'y a pas besoin de rajouter un pourcentage de taxe. C'est déjà inclus dans le prix affiché. Alors, je cherche ma mère. Elle est perdue dans les rayons. Je cherche ma mère. Là, vous avez des sous-vêtements, des chaussettes. Je cherche ma mère. Des caleçons, des chaussons, quelques vêtements. Ta ta ta. Il y a un peu de tout, des articles de ce genre, et je cherche ma mère. À mon avis, elle est sortie sans moi. Bon bah, j'y vais quoi. Maman, maman, on a à manger. Ah, elle est pas là. Des produits. Ah, ça, c'est ma mère. Elle est sortie du magasin, probablement. J'espère qu'elle n'est pas partie sans moi. Mais elle n'est pas patiente. Hein. Pas patiente pour un sou. Donc là, j'espère qu'elle ne m'a pas laissée ici, quoi. Elle est où? Elle n'est même pas dans la voiture. Même pas dans la voiture. Maintenant, je vais faire demi-tour. Ou je vais essayer de l'appeler. Parce que là, je ne sais pas où elle est. Je sais pas où est la dame. J'ai perdu ma mère. Ça y est, je l'ai retrouvée. À plus tard, salut.